dans le cadre de la journée de signure de la charte d'amiante d'Anvers. Mais on va y revenir. Pour entamer, Valet, Mathieu, Jean-Luc, dans un premier temps, nous présenter l'Institut du Gallo, Oyouki les Chaumets, les Turcsons, ses feuseries. Alors, l'Institut du Gallo est un souhaite et corrigienne, avec l'arrêt des Chaumets en 2017, pour le surtin de la région Bretagne. On a été chômé pour l'obusserie et l'oveillerie du galop. Je travaille côté le monde, côté les souhaites, côté les entreprises, côté les poids locaux, tout, à son fin d'aller plus fort de galop dans l'eau à l'ifté de même. Vous avez une relation privilégiée pour la région. Je ne parle pas de galop. Pas encore, ça va venir. On vient de dire la signature de la charte, c'est un début, c'est pas une arrivée. Très important pour nous, Télène, donc qui sommes une association qui réunit, qui fédère 28 associations culturelles bretonnes, hein, qui ont de la danse, au chant, à l'enseignement du breton et bien évidemment au galop, puisque nous comptons 4 associations plus spécifiquement qui s'attache plus spécifiquement à la promotion du galop. Ouais, et puis on est dans un pays. Donc, on est dans un pays ici en Haute-Bretagne, à Saint-Brieuc, on n'est pas très loin de Saint-Brieuc, c'est donc la maison, l'équipement mis à la disposition de Télène par Saint-Brieuc Agglomération, qui est un partenaire majeur. Ouais. Justement, vous faites bien de parler de Saint-Brieuc Agglomération, parce qu'on a et tout la ville de Saint-Brieuc qui promeut là, mais on le recevra une autre fois. Parce que le temps est toujours trop court de 15 minutes. Donc, il est un plaisir pour nous de nous avoir Versailles année à la radio. Je souhaitons une belle continuation, surtout pour tous les efforts de galop. Jean-Luc, Pontier, un mot pour aboutir la mairie d'année. Bertrand disait tout à l'heure qu'il y avait hardie de monde à causer galop. Dans le pays de Saint-Brieuc, Yann, je savais mes heures, l'enchaîne qui a été faite il y a 2 ans mes heures par la région, et il y a plus de 23 000 monde à cause de galop dans le pays de Saint-Brieuc, c'est 13% du monde du pays de Saint-Brieuc qui cause galop. Donc, je sens qu'il faut le dire. Yann. Oui. Et le pays de Saint-Brieuc, c'est le deuxième pays de Bretagne. Il y a eu que d'entre eux, le plus de monde à causer de l'autre. Alors justement, c'est un plaisir d'avoir, moi je dirais, les deux parlements, les deux langages, à vivre dans une même, à même hauté, un même tiers-beau. Ça c'est dans l'ADN initial de Télène, puisque nous nous engageons maintenant par la charte effectivement à respecter strictement effectivement, une signalétique. Qui soit en galop. Elle a depuis l'origine de ce bâtiment, nous avons tenu à avoir une signalétique qui soit en breton, en galop et en français, évidemment. Merci bien, à l'hôtel du pays de Saint-Brieuc, Ayouk et la Saint-Fille Télène va poser son signe sur la charte du galop d'Amiens d'Anvers. La Saint-Fille Télène souhaitonne 27 consorteries culturelles bretonnes du pays de Saint-Brieuc. Bon, j'espère que je n'ai pas trop écorché la langue. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, et puis alors en particulier aux élus qui sont là, et notamment à Kaorintin Hulot, donc qui est conseillère régionale déléguée à la langue galaise, à monsieur Jean-Luc Cramel, donc, qui est coprésident de l'Institut du Galop, à monsieur Didier Yon, qui est conseiller départemental et qui représente aujourd'hui monsieur Christian Coag. Et puis à M. Ludovic Lomanic, qui est lui délégué conseiller municipal de Saint-Brieuc, et puis délégué alors à beaucoup de choses, au patrimoine, à l'art, à la culture, à l'histoire. Si ton bras dans la gêne, nos pères luttent point pour, et pour l'Église mourir terre tout. Amen.
Fenrir, oh, pour nos villages qui sont bâtis de Paris, oh.